L'autoroute est en dessous. Adir a placé des renforts pour tendre une embuscade au bout. On fait des cibles faciles pour les Russes. Oui, on a peu de temps. Les hommes de Barkov sont en chasse. Il a plus le contrôle. Il va vouloir le reprendre. Attends ici. En route. Il faut qu'on intercepte le loup au col. Avant la guerre, ce village était rempli de familles et de rires. Le rire est le meilleur des remèdes. Pas une blague? Comment un agent de la CIA soigne une hernie? Comment? Avec une infiltration. Pas mal. Pas aussi drôle que je pensais. Mais j'apprécie l'effort. Gardez tout ça à portée de main. À vos ordres. Adir s'est placé en hauteur pour nous. Mon père surnommé Adir Shabab. Son petit lion. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort au combat. Quat al-Qatal al-Khassa Admin, Sayyidati. Tiens-nous au courant. Alex, par ici. Adir nous attend. Je lui ai dit d'apporter tout ce qu'il avait. Alex, regarde ça. L'appui à calibre 338 transperce les blindages à 600 mètres. Je l'ai assemblé moi-même. Vas-y, prends-le. C'est un sacré fusil, mon frère. Protège-le de ta vie, et il te le rendra bien. Merci, Adir. Je vais observer pour toi. Regarde dans ta lunette. On est frères d'armes, maintenant. Rends-moi fier, Alex. Allonge-toi. Ça t'aidera à stabiliser le tir. Cherche la lumière qui scintille près de l'autoroute. Je vois. Maintenant, ajuste le zoom. Ok, commandant. Quelle déférence. Ali, rejoins les autres. Oui, commandant. Suis-le, et tu verras mon équipe en position près de la route. C'est bon, je les vois. Ils nous aideront quand on lancera l'attaque. Aya, place une cible près du bus. Hikrami bintelam. Parce que t'en es capable. Les encoches verticales, c'est pour ajuster la distance. Chaque encoche représente 200 mètres. Mets-toi à l'abri. On va tirer. La cible est à 400 mètres, donc vise deux encoches au-dessus. Deux encoches, entendu. Le vent va dévier tous tes tirs. Utilise les drapeaux pour connaître la direction. Tire contre le vent. Raté. Ne laisse pas impressionner par le fusil, Alex. Touché. Elle chante pour toi, Alex. Mon frère, c'est ton plus grand fan. On va essayer une autre cible, à une autre distance. Il y a une maison bleue dans le fond, tu la vois? Je vois la maison bleue. Il y a un fruit sur la glacière. Distance, 600 mètres. T'es trop bas. La distance... Touché. Waouh! Il est impitoyable avec les fruits. J'ai entendu ça. Y'a Ayawem. Concentrez-vous un peu, les garçons. Bon, t'as compris le principe. Oublie pas, utilise l'environnement à ton avantage. Les drapeaux t'indiquent la direction du vent et les bâtiments te renseignent sur la distance. C'est compris. Surveille l'autoroute. Il devrait plus trop tarder. Il y a du vent, mais c'est tout. J'ai repéré quelque chose, près de la pompe à pétrole. Rien que des chiens errants. Continue de surveiller la route. Le loup sera bientôt là. Un véhicule en approche par l'est! Bien reçu. N'attaquez pas. Ils ont repéré un véhicule, côté droit. Je dirais qu'on a enfin de la compagnie, mais ça a pas l'air d'être le loup. C'est des éclaireurs. Tire pas. Attends d'avoir un bon angle. Ali, tu les vois? Ils montent sur le toit. Regarde le toit, Alex.
2, sur le toit. C'est bon, je les vois. 400 mètres. Fais feu quand t'es prêt. Touché. Il en reste un. Bien visé. Deux hommes du loup en moins. Allez, tu peux y aller. Adir a de la ressource. Son équipe est en train de placer un piège pour les hommes du loup. Alex, couvre les kits qui piègent le camion. Même si on tue le loup, rien ne dit qu'on mettra la main sur le gaz volé. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passera si tu le trouves pas? C'est pas envisageable. Bien. Maintenant, mettez-vous à couvert et attendez le signal. Les hommes du loup vont devoir déplacer le pick-up pour passer. Attends qu'il soit tout prêt, puis fais-le sauter. Coudin, je vois le convoi à l'est. Bien compris. C'est le moment de vérité. Soyez fort, cousin. Les soldats du loup sont là, Alex. Sur la droite de l'autoroute. Trois véhicules d'Alcatala. Je les vois. Attends qu'ils soient à portée pour tirer. J'attaque ? Non. On les laisse s'approcher. Encore un peu. Allez, soyez pas timides. Ils le voient. Ils avancent vers le véhicule. Adir ? Je les regarde. Tiens-toi prêt, Alex. Jouer, Alex. Touché. Alcatala sur le bus. Bien joué. Surveillez les fenêtres. Fais-le.
surveille le flash quand il tire. Dans mon viseur. Tire, Alex. Dépêche-toi, Alex. Tu dois les descendre. Tire, Alex. C'est bon, laissez une. Négatif, il reste un mortier actif. J'ai pas de visuel, qu'est-ce que tu vois? À 600 mètres, Alex. J'ai du mouvement, près de la Maison Bleue. Je les ai. Mortier neutralisé. Un véhicule piégé, à gauche! Pick-up, Alex! Tire encore! Tire sur le pick-up, tout de suite! Vise le conducteur! Tire, Alex, tire! Il se rapproche trop! Bien joué, Alex. Le loup doit être en chemin. Sinon, ils n'auraient pas envoyé ses forces faire le ménage. Commence à placer des EEI. Adir et moi, nous allons renforcer le périmètre. Alex, fonce au bunker à l'est et fais le plein de munitions pour le loup.
Encore des explosifs à dire? Et pourquoi pas? Comme tout à l'heure. Garde tes distances. Le loup doit être en chemin. Sinon, ils n'auraient pas envoyé ses forces faire le ménage. Commence à placer des EEI. Adir et moi, nous allons renforcer le périmètre. Alès, fonce au bunker à l'est et fais le plein de munitions pour nous. Encore des explosifs à dire? Et pourquoi pas? Comme tout à l'heure, l'ennemi approche, on le fait sauter. Garde tes distances. Alex, le capitaine Price appelle à la radio. Il dit que c'est urgent. Allez-y. Leader, ici Echo 3-1. Alex, le loup a quitté la ville. Il vient dans votre direction. On est en route. Sniper! À couvert! Leader, on attaque l'ennemi. Restez planqués! Il faut pas qu'il vous voit. Bien reçu. On arrive. À couvert! Les coups de feu venaient de l'autoroute. Leader, on attaque l'ennemi. Restez planqué. On arrive. Viens dans votre direction. On est en route. Sniper! À couvert! Leader, on attaque l'ennemi. Restez planqué. Il faut pas qu'il vous voit. Bien reçu. On arrive. À couvert! Les coups de feu venaient de l'autoroute. Descends-le, vite! Alex, je l'ai. Le sniper. Sa lunette réfléchit. Cherche quelque chose qui brille. Le vent a changé. Le vent est bien plus fort. Tu vas devoir ajuster. Quatre encoches sur la gauche. Je le cherche. Il change de position. Il change de position. Change de position. Cherche quelque chose qui brille sur sa lunette. Je l'ai. Bien joué, Alex. Alcatala se regroupe de l'autre côté de l'autoroute. C'est peut-être lui. C'est à 600 mètres, Alex. Élimine-les. Barkov sera bientôt là. Farah, à gauche, je vois une fumée blanche. Alex, essaie de les arrêter. N'arrête pas, Alex. Bien joué.
J'ai encore des explosifs dans mon camion. Alex, avec moi. On n'avait pas le choix, enfin. On a une chance maintenant. Non, pas comme ça. Farah. Alex. Écoute-moi. J'ai volé le gaz aux Russes. Pour nous aider. Juste pour nous aider. Dis-le à Farah. Dis-lui, Alex. Non! Non! Où est mon fils?
Où est Abir? On l'a laissé dans la ville. Et on va pas. Wally, Chabi, ils cherchent des combattants de la résistance. On doit partir tout de suite. Je peux pas. Mon fils est à la maison. Je vais t'aider. Allez, viens, suis-moi. Papa, j'ai peur. N'aie pas peur, chérie. Je reste avec toi. Il y a des enfants ici. Pitié, tirez pas. On est pas armés. Ma chérie, je vais aller m'assurer qu'on craint rien. Reste derrière moi. D'accord, papa. Fais ce que je te dis, et tout se passera bien. Allons-y. Par ici. On y va, chérie. Suis-moi. Attention, ne pas. Suis-moi, t'es courageuse, tu sais. Ouvre-toi la bouche, Farah! Ne respire pas, c'est du poison! Dépêche-toi, Farah, on est à la maison! Dans la maison, Farah! Adir, je t'en prie! Adir! Papa! Il y a une bombe! J'ai fermé les fenêtres, comme t'avais dit! C'est bien, ça nous protégera un peu du gaz. Suivez-moi dans la cuisine, tous les deux! Où est maman? Maman ne viendra pas. Désolé, mon garçon. Pourquoi ils font ça, papa? Ils pensent qu'on aide les rebelles. Tiens! Prends le masque, d'accord? Farah, elles sont aussi? Tu gardes le tien. Je vais aider ta sœur. Viens. Les téléphones. Si jamais on est séparés. Ok, on va franchir le pont et se mettre à l'abri dans les montagnes. Venez. Et s'ils nous attrapent, papa? Ils vont vous emmener et vous enfermer. Je veux pas partir. Ok. Écoute, je sais. Je te le promets, on reviendra. Adir, faut que tu sois courageux pour ta petite sœur, d'accord? Pense à ta maman, et surtout, sois futé. Voilà, c'est ça la survie. Tu m'as compris? Oui, papa. Écoutez, quand on sera dehors, suivez-moi bien, ok? Non, papa! Adir, vite, derrière moi! Non. Il n'y a personne. C'est seulement mes enfants, pitié! Проверяю каждый дом. Ребенок здесь. Убить его. Никак нет. Тащи его к машинам. А тогда к машине? Нет? Нет. Зачем? Так приказ. Что, на руках не дотащишь? Тогда я принесу только одного. Сколько их у тебя? Нет, но как я буду искать? Будет живым щитом. Это снайпер. Где? Тащи то, что есть, и мочи остальное. Принято, по твой. Засранец.
y a quelqu'un? Qui est dans la maison? Montrez-vous, je ne tirerai pas. Dites quelque chose. N'ayez pas peur. Parlez-moi, je peux vous aider. Je vous ferai pas de mal. Si vous êtes blessé, j'ai de quoi vous soigner. Je vous ferai pas de mal. Dites quelque chose. Montrez-vous, je ne tirerai pas. Parlez-moi, je peux vous aider. Si vous êtes blessé, j'ai de quoi vous soigner. N'ayez pas peur. Stop, bouge pas. C'est bon, je vais survivre. Si vous êtes blessé, j'ai de quoi vous soigner. Parlez-moi, je peux vous aider. Allez, sortez de là. Thank you.
Te voilà. Et tiens, ce corps. Essaie de me tuer. Salope. Frappe-le, Papa. Tue-le. Tiens, Papa. Oh!
gaz, t'as blessé? C'est bon, c'est bon. Suis-moi. Alors c'est vous les deux diablotins qui tuent mes soldats. Parfait. Je vais vous aider. Okay. Où il est? J'ai tiré, Farah. Attire! Stop! Attire! Stop! Terrorie. Stop! Où est-ce que t'es parti? C'était Attire.
Il a volé le gaz. Désolé, capitaine, je savais pas. Tu n'as rien à te reprocher. T'en fais pas, Farah. On retrouvera. On doit se tirer d'ici. Vite! Mon frère a toujours détesté suivre les règles. Maintenant, il n'en suit plus aucune. Adir est au nord. Il s'est fait prendre par des combattants d'Al-Qatala. Volontairement ou de force? On ne sait pas. Désolé, Farah. Votre frère est un terroriste. Est un agent américain qui est avec ou aux mains des terroristes. Adir n'a rien contre nous. Il aurait pu tuer tout le monde quand il a volé le gaz, mais il n'en a rien fait. Comment tu le sais? J'y étais, pour l'arrêter. Pourquoi tu m'as rien dit? On pensait que c'était Al-Qatala. On ne savait pas que c'était lui. Plus maintenant. On va le chercher ce soir. Je viens avec vous. Vous traqueriez votre propre frère? Il n'est plus mon frère. Plus maintenant. Barkov va mettre sa tête à prix. Faut qu'on l'attrape avant lui. Une seule complication, et c'est la guerre avec les Russes. Suffit de rien compliquer. C'est pas une bonne idée, Farah. On s'occupe des nôtres ici. En général, ça veut dire l'inverse. Pas ici. Je veux Farah avec moi. Pas de discussion. Soit. Vous êtes autorisé à tuer. Chacun de vous. Ok, je vous prie. Nos images confirment qu'Adir était en possession de ce qu'il restait du gaz volé quand il a pris contact avec l'agent le plus brutal d'Al-Qatala, le boucher. Nos éclaireurs ont suivi leur véhicule jusqu'à un complexe dans les monts Akrus. Pourrait être la base du coup. Alex et Farah resteront dans les airs en surveillance. Et Bravo 6 mènera l'assaut pour localiser les agents chimiques, récupérer Adir